Alors, des indices européens qui continuent leur rallye haussier, ont entamé il y a maintenant plus de 10 jours, hein, se traduisant par un enchaînement de records. Le CAC 40 ayant atteint un plus haut en séance à 6522 points. Par conséquent, hein, l'optimisme entourant la réouverture de l'économie et la révision à la hausse des perspectives de croissance sont plus que compensés, hein, les inquiétudes ayant trait à l'apparition de nouveaux variants du Covid. En revanche, la hausse se fait dans des volumes extrêmement faibles. Hein, pour exemple, 2,8 milliards d'euros d'échanges pour le CAC 40 ces deux dernières séances. Sur le front macroéconomique, les ventes au détail ont reculé de 5,5% en avril 2021 sur donc un mois en Allemagne, alors que les économistes attendaient en moyenne un repli de 2%. Dans la zone euro, les prix à la production industrielle ont augmenté de 1% sur avril. En synthèse, un CAC 40 qui a clôturé en hausse de 0,5%, un DAX à plus 0,23% et un Eurostoxx à plus 0,41%. Aux US, même son de cloche, hein, avec des investisseurs qui s'accordent à une petite pause en l'absence d'indicateurs majeurs. La fin de séance a été marquée toutefois par la publication du Beige Book de la Fed, document, hein, je vous rappelle, préparatoire à la prochaine réunion de son comité de politique monétaire qui aura lieu le 15 et 16 juin prochain. La Banque centrale américaine a rassuré les marchés sur le fait que les poussées inflationnistes seront de court terme et ne vont pas changer sa politique monétaire pour le moment. En revanche, les investisseurs gardent en tête, hein, que son soutien s'estompera à mesure que la reprise économique avance et donc que la fin de l'abondance des liquidités sur les marchés est à prévoir. En conclusion, le Dow Jones plus 0,07%, le SP 500 plus 0,14%, tout comme le Nasdaq plus 0,14%. Pour être complet, en Asie, séance plutôt positive, même si la Chine, avec Shanghai plus 0,10 et Hong Kong moins 0,4%, sous-performe avec un PMI un peu décevant qui s'élève à 55,1 contre 56,2 attendu. Sur le front de la microéconomie, Vivendi et le fonds, Bluebell Capital qui a demandé à l'AMF de se pencher sur les modalités de la distribution par Vivendi de 60% de sa filiale Universal Music Group, pointant un manque d'information au marché de la part donc du groupe Vivendi. Alstom a annoncé avoir remporté un contrat de fourniture de 60 nouveaux tramways pour la ville de Toronto. Natixis, qui a annoncé que sa filiale Natixis IM poursuivait les travaux entrepris avec H2O Asset Management en vue de dénouer leur partenariat tout en assurant une transition ordonnée. La banque a par ailleurs nommé Dominique Garnier administrateur délégué. Stellantis, les usines d'assemblage donc de Stellantis dans l'Illinois aux États-Unis, dans l'Ontario au Canada et à Toluca au Mexique, resteront fermés pendant la semaine du 14 juin, conséquence de la pénurie de semi-conducteurs qui affecte le secteur automobile, selon annoncé par le constructeur hier. Rémy Cointreau anticipe une bonne croissance de son résultat opérationnel courant en 2021-2022, un exercice qui devrait néanmoins être affecté par la hausse des investissements en communication et des effets devises. Saint-Gobain a déclaré prévoir une marge d'exploitation record au premier semestre et Vallourec a annoncé le lancement d'une augmentation de capital d'environ 300 millions d'euros. Voilà pour la partie large cap. Je laisse tout de suite la parole à Nantes pour les petites et moyennes capitalisations. Bonjour. Catama publie les résultats de son premier semestre. Le spécialiste des navires de plaisance publie un chiffre d'affaires de 48,5 millions d'euros, soit une hausse de 16% sur un an. La marge et le résultat net ressortent également meilleurs que l'année précédente. Et côté perspective, Catama pense que son chiffre d'affaires global dépassera 15% de croissance sur l'ensemble de son exercice. Biosynex a annoncé un chiffre d'affaires à fin mai 2021 de 190 millions d'euros, porté par les ventes soutenues à l'international et par la dynamique des tests PCR et antigéniques en France. Pour les prochains mois, Biosynex prévoit une reprise du marché des tests sérologiques COVID-19.
Eurobio Scientifique a annoncé la commercialisation de son nouveau test, un autotest antigénique développé pour identifier la présence du coronavirus par simple prélèvement nasal. Le test donne un résultat en 10 minutes. Ce test est prévu pour être vendu par coffret de 5 tests directement par les pharmacies ou dans le cadre de contrats gouvernementaux. Et enfin, Arcos annonce le lendemain le lancement d'une nouvelle société, MTV, qui sera une structure holding qui développera un portefeuille de participation dans le domaine des nouvelles technologies de santé pour les marchés grand public et les marchés professionnels. C'est tout pour nous ce matin. Merci Céline. On enchaîne avec les recommandations broker du jour et HSBC qui augmente sa target sur Air Liquide à 148 euros. Société Générale qui passe de conserver à acheter sur Roche Holding. Et Liberum qui passe de conserver à acheter sur Nokia avec une target à 5,50 €. Avant de laisser la parole à Lionel pour la partie technique, l'agenda macroéconomique du jour. En Europe, on attend l'indice PMI des services en France à 9h50, en Allemagne à 9h55 et dans la zone euro à 10h. Aux États-Unis, agenda assez chargé puisqu'à 14h15, on aura l'enquête ADP sur l'emploi privé en mai, à 14h30 les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage et la productivité du premier trimestre, la deuxième estimation. Et enfin à 16h l'ISM des services en mai. Lionel, c'est à toi. Oui, bonjour. Hier, comme souvent ces derniers temps, on a vu que le CAC continue de surperformer, puisqu'il a réussi à rejoindre aux alentours de 6520 son cours de mercredi. Donc on va voir s'il y a un début de résistance intermédiaire à ce niveau-là. C'est tout. Les autres indices ne sont pas rejoints le cours de la séance de mercredi. Ils sont arrêtés en dessous. Sur le DAX, sur le 50, les indices américains. Donc le CAC continue d'être en position. On aura une zone vers 6415 en couverture. On est en très légère position. Bonne journée. Merci beaucoup Lionel, merci à tous. Une très bonne journée, bonne séance et à demain.